Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes deux dernières lectures, voilà, pour vous chroniquer ces deux dernières lectures. Donc je vous laissais la dernière fois avec Prémonition de L.J. Smith aux éditions Libre en série, je crois que c'est. Non, Michel Lafon, Poche. Donc l'histoire, on va retrouver donc Kathleen qui est un peu mise de côté dans son lycée car il la trouve bizarre. Elle a certains dons qui la font paraître bizarre parce que du coup elle voit l'avenir. Et du coup les gens la prennent un petit peu pour une sorcière, d'où le fait qu'elle soit mise à l'écart. Mais du jour au lendemain, une dame va se présenter à sa directrice et va lui dire que elle a une école un peu spéciale, genre à la X-Men, qui regroupe un peu des personnes qui ont des pouvoirs extraordinaires comme elle, et du coup, elle va lui proposer de se joindre à eux. Elle va accepter, mais malheureusement, elle va se rendre compte très vite que l'établissement n'est pas aussi exemplaire qu'il y paraît. Kathleen, en fait, c'est une jeune fille donc qui a un petit peu, elle était un petit peu renfermée sur elle-même, mais elle gardait quand même les, comment on appelle ça, les épaules, la tête sur les épaules. J'arrivais plus à retrouver l'expression. Voilà, elle garde quand même la tête sur les épaules, mais elle aimerait maîtriser ce don pour pouvoir sauver les autres. Elle est très, voilà, elle aimerait aider les autres avec son don. Elle aimerait éviter de passer pour une folle parce que voilà, elle aimerait quand même avoir des amis, elle aimerait être invitée aux fêtes, elle aimerait être une adolescente comme les autres. Mais malheureusement, ce don ne lui permet pas de pouvoir être comme les autres. Elle va donc se retrouver dans cet établissement où il y a 5 personnes, je crois qu'ils sont 5, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois qu'ils sont 5. Donc elle va se retrouver avec 5 adolescents qui a autant de pouvoir qu'elle. Donc il y en a un qui est guérisseur, en fait il arrive à canaliser son énergie pour guérir la personne. Donc elle qui a bien sûr des pouvoirs de vision, il y en a une, alors les noms par contre ne me les demandez pas, j'ai déjà oublié les noms. Hein. Donc il y en a une qui a le don de maîtriser en fait les animaux pour qu'ils puissent faire ce qu'elle veut. Il y en a un, alors je sais qu'il maîtrise, je crois qu'il fait de la kinésie... psychokinésie, je sais pas comment on appelle, enfin il arrive à bouger des objets avec son mental. Et il y en a un, en fait c'est un petit peu bizarre parce qu'il peut vous voler toute votre énergie jusqu'à vous tuer. Alors celui là c'est un petit peu le méchant de la bande parce que ouais, vous en doutez, dans tout livre qui se respecte où il y a des ados normaux, il y a toujours un méchant dedans, voilà, il y a toujours le petit rebelle du groupe. Et donc voilà, les personnages sont assez... Ils vont assez vite se sympathiser entre eux et devenir très très proches. Du coup, quand un va avoir un problème, tout le monde va être là. Pour ce qui est de mon avis général, j'ai pas mal aimé ce livre. C'est vrai que ça m'a fait quand même penser à X-Men, du côté où ils ont tous des pouvoirs un peu psychiques. Mais je ne m'attendais pas à la fin. La fin m'a beaucoup surprise. Parce que je ne m'attendais pas à ce que cette personne trahisse le groupe, je dirais. Et du coup, ils vont se retrouver un peu livrés à elles-mêmes. Sachant qu'il y a quand même une grosse organisation qui les poursuit. Voilà. En fait, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à X-Men, comme je vous en parle. Mais le côté esprit... Enfin, comment dire, oui, à un moment, en fait, ils sont connectés entre eux par la pensée. Et du coup, ils vont réussir à canaliser leur pouvoir pour vaincre le fameux méchant du livre. Parce que vous vous en doutez, il y a un méchant aussi. Voilà. Et c'est pas le méchant jeune homme que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un méchant. Et du coup, bah, ils vont se dire, en fait, personne ne veut vraiment nous aider. Vaut mieux partir que de mettre tout le monde en danger. Ah, voilà. Donc j'ai quand même hâte de lire le tome 2 que j'ai commandé. J'ai commandé d'ailleurs le tome 2 et 3. Et j'ai, voilà, parce que je me suis dit autant, vu que j'ai aimé le 1, j'ai aimé le 2 et le 3, autant le continuer à les lire. Je ne sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 5. Oui, il n'y en a que 3.
J'ai un doute, je sais pas, il n'y a pas marqué, hein, mais. Alors, le seul truc, c'est que si vous vous êtes tenté que vous ne pouvez pas attendre voilà, la fin, voilà, vous avez les deux premiers chapitres, je crois. Ouais, il y a deux chapitres du tome 2. Je ne les ai pas lus parce que j'aime bien avoir la suite et je n'aime pas être comme ça dans l'attente d'avoir quelque chose. Voilà, c'est. Non, c'est si je lis les deux chapitres, il va me falloir le tome 2. Parce qu'après, je vais vouloir savoir. Je ne sais plus parler aujourd'hui, hein, je ne sais pas si c'est le temps. Je vais vouloir savoir ce qui va se passer. Donc, forcément, je vais être déçue et très très contrariée. Donc, voilà, c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez tout ce qui est pouvoirs paranormaux, entraide entre amis, avec des mystères, des complots, voilà. Je vous conseille ce livre. Je vous laissais donc aussi la dernière fois avec le tome 2 de La Maison de la Nuit, donc Trahi de PJ Cast et Christine. Non, Christine et PJ Cast. Je crois qu'ils sont mari et femme. Donc, j'ai peur de vous spoiler un petit peu en vous expliquant ce livre, mais on va retrouver donc Zoé qui, dans le tome 1, avait été marquée et qui avait été donc à la fameuse Maison de la Nuit. Quand vous avez la marque, en fait, vous êtes désigné comme futur vampire. Donc, c'est pas sûr non plus que vous passez le stade vampire, parce que vous êtes humaine. Et si vous arrivez à passer le cap pour devenir un vampire, tant mieux. Sinon, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Genre, vous avez tout votre sang qui sort de votre corps. Vous vous noyez avec votre propre sang. Voilà. En résumé, c'est ça. Donc, il se passait certains événements dans le tome 1 que l'on retrouve donc dans le tome 2. Zoé va être un peu plus puissante, bien sûr. Vous vous en doutez, hein, c'est l'héroïne principale, donc vous vous doutez qu'elle va être un petit peu au-dessus des autres. Et donc elle arrive à. Comment je pourrais vous dire ça sans vous spoiler tout le truc? C'est un petit peu difficile. Donc elle va retrouver en fait des pouvoirs qui sont un peu plus puissants, je ne sais plus parler, que dans le tome 1. Jusque-là, ça va, je ne vous spoile rien. Il va se passer certains événements qui vont lui faire augmenter un peu plus ses pouvoirs. Voilà. En fait, je pense qu'au fur et à mesure des livres, elle est super puissante, hein, parce que je crois qu'il y a une dizaine de livres, il y a une dizaine de bouquins, et si elle augmente autant après chaque bouquin, à la fin, c'est une déesse, hein, parce que. Enfin bon. Donc voilà, l'histoire en général, c'est ça. Donc il va se passer certains événements qui vont faire qu'elle va devoir prendre ses responsabilités, hein, envers la communauté de vampires. Pour ce qui est de Zoé, elle évolue pas vraiment pour l'instant dans le livre. Elle est toujours hésitante de ses pouvoirs parce qu'elle n'y croit pas. Voilà, elle se dit, oui, mais c'est pas normal. Enfin bon, elle se fait tout un baratin sur ses pouvoirs, alors que voilà, elle est puissante, elle a été désignée, et puis c'est tout. Il faudrait qu'elle accepte. Après, il y a aussi un genre de petit triangle amoureux où elle ne sait pas vers qui son cœur balance. Ce petit triangle amoureux m'a un petit peu resserré un peu, parce que j'aime pas tout ce qui est triangle amoureux, c'est horrible. J'aime pas en fait toutes les amours gneugneux. Mais là, ça va. L'amour n'est pas gneugneux, hein. L'amourette, elle n'est pas gneugneuse. Mais le triangle amoureux de pas savoir vers qui est son cœur balance, où pendant tout le long du livre elle hésite, et d'ailleurs on ne sait toujours pas vers qui elle veut aller. Mais dans l'ensemble, le livre est correct. Pour mon avis vraiment général, j'ai quand même été. J'ai failli pleurer parce qu'il y a un des personnages principaux du livre qui meurt. Voilà. Enfin, je peux dire que c'est un petit spoil, mais je vous dis pas qui donc. Voilà, dans Harry Potter, on savait qu'il allait avoir un mort dans le tome 5, mais on savait pas qui. Donc voilà, je vous spoil pas vraiment. Donc il va y avoir une personne qui va mourir et c'est une personne que j'adorais beaucoup. Et du coup, j'ai eu vraiment, vraiment de peine. C'était limite, à un moment, mon copain il me regarde, c'est limite, il me disait pas, mais qu'est-ce que tu as quoi? Pourquoi tu as envie de. Enfin, il voyait que j'avais les larmes aux yeux. Et du coup, voilà, dans l'ensemble, il y a quand même une petite intrigue dedans, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il y a des jeunes hommes de son ancien lycée qui disparaissent et qui sont retrouvés morts près de la Maison de la Nuit. Donc vous vous doutez que la Maison de la Nuit va être accusée de tout ça.
Et donc, elle va mener un petit peu l'enquête pour savoir mais qui kidnappe ces jeunes hommes et les tue près de la maison de la nuit, alors qu'elle sait très bien que c'est aucun vampire, que ça soit maître vampire ou élève vampire, qu'il tue. Elle sait que c'est pas eux, donc elle voudrait savoir. Et on apprend qui c'est, et là j'ai été agréablement surprise, enfin agréablement, j'ai vraiment été surprise de savoir qui étaient les tueurs. Et c'est pour ça que j'ai déjà commandé, pareil que pour l'autre bouquin, le tome 2 et pas 2 et 3, 4 et 3 et 4, pardon, parce que c'est le tome 2, 3 et 4, parce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. On se rend compte qu'un des personnages principaux aussi est en fait un prêtre. Alors je ne dis pas un parce que c'est un homme, mais sinon un ou une prêtre, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment, si vous aimez tout ce qui est... C'est un petit peu vampire à la Harry Potter, je trouve. C'est vraiment très imagé, mais c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup d'intrigues. On dira que Zoé, vu qu'elle est marquée, c'est un peu le Harry Potter du livre. C'est celle qui trouve un peu toutes les solutions. Et elle a ses amis. Bon, elle a un petit peu plus d'amis qu'Harry Potter. Mais voilà, elle est entourée de personnes qui vont l'aider et qui vont... Ouais, qui vont être vraiment ses amis. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même eu de très bonnes lectures. C'est pas non plus des coups de cœur pour l'instant, je n'en ai pas eu un seul. Et ça me dérange beaucoup parce qu'on est quand même en mai. Et j'aimerais avoir un ou moins coup de cœur, mais voilà. En tout cas, c'est deux très bonnes lectures. Si vous aimez tout ce qui est pouvoir psychique et vampire, je vous les conseille énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous les avez lues, et si vous savez la suite de La Maison de la Nuit, ne me dites rien, bien sûr, je ne veux pas du tout être spoilée. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, ciao ciao!